Nous nous retrouvons pour une série consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie. Passer une demi-heure ensemble pour. Focus braque aujourd'hui son projecteur. Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie, la radio sur Internet qui donne la parole aux académiciens des cinq académies qui composent l'Institut de France et tout particulièrement à la plus ancienne et la plus célèbre d'entre elles, l'Académie française. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en notre studio Monsieur Alain Decaux de l'Académie française. Monsieur Decaux, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation après une séance académique et de bien vouloir relire avec nous le magnifique discours que vous avez prononcé sous la coupole le 31 janvier 2008 pour la réception de Max Gallo, qui lui, selon l'usage, a prononcé l'éloge de son prédécesseur Jean-François Revel. Tout d'abord, un mot sur cet usage, Monsieur Decaux. Est-ce le récipiendaire qui choisit l'académicien qui prononcera son discours, ou est-ce que c'est un tirage au sort, ou un tour ? Non, il y a un règlement. Le règlement de l'Académie française, c'est que celui qui reçoit, c'est le directeur de l'Académie. Vous savez, nous avons un bureau. Oui. Le secrétaire perpétuel, qui jusqu'à sa mort. Et perpétuel. Mais c'est le directeur et le chancelier qui, eux, sont élus pour 3 mois. Ce qui fait qu'on y passe tous. Alors, le règlement veut qu'on choisisse. Si personne ne se présente, si l'élu ne demande rien, eh bien, c'est le directeur qui était là le jour du vote. Ah, très bien. Mais là, je crois que c'est Gallo qui vous a demandé. Oui, oui, mais c'est souvent comme ça aussi. C'est que le directeur, à part une volonté vraiment absolue de faire le discours, en général, s'efface même avec plaisir, parce que c'est un travail, un discours, devant les demandes. C'est Gallo qui m'a demandé si je voulais le recevoir, et je lui ai dit oui tout de suite. Vous étiez amis depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps, même avant qu'il devienne célèbre. Parce qu'on s'est connus, son premier roman qu'il a rendu célèbre, c'est sur la Baie des Anges. La Baie des Anges, et oui. Je l'ai connu avant donc qu'il soit célèbre. Mais peu, mais on ne s'est jamais vraiment éloigné l'un de l'autre. Alors Alain Decaux, quand on doit rédiger un tel discours de réception sous la coupole, est-ce un exercice difficile qui exige beaucoup de temps, beaucoup de soins d'écriture? Écoutez, sûrement. Oui. Il n'y a pas de doute. Oui. Si on veut faire un l'amour propre. On tient à ce que ce discours plaise non seulement à celui qui l'a demandé, pas obligatoirement, on n'est pas obligé de lui plaire totalement. Mais la mode des discours, il y en a eu naguère, je disais autrefois, naguère, une épidémie de discours désagréables pour celui qu'on recevait. Oui, mais ça a été jusque certains académiciens qui n'ont pas prononcé le nom de celui auquel il succédait. Bon, c'est à peu près fini. Heureusement. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu, pourtant je suis presque depuis 30 ans à l'Académie française, je n'ai pas entendu, sauf une fois, et je n'en parlerai pas, quelqu'un qui ait été désagréable. Bon, ce n'était pas votre cas, qu'on se rassure. Ce n'est pas mon genre, parce que je n'aime pas ça. Oui, puis là, vous aviez effectivement affaire sur un ami, mais ça a tout de même exigé de votre part beaucoup de lecture, d'abord, parce qu'il a beaucoup publié, M. Gallo, alors, oui. beaucoup de lecture. Faut tout relire, ou presque? Ah non, parce que d'abord, étant donné que nous étions amis, il m'avait envoyé beaucoup de ses livres. Je ne dis pas que, comme il produit beaucoup, que j'avais tout lu. Mais là, quand même, j'ai été recherché parmi ses livres. Et lui-même, je lui ai demandé des ouvrages que je n'avais pas. Mais enfin, c'est vrai que je voulais, par exemple, quelque chose que je n'avais pas, c'était la vie qu'il avait écrite de son père. Et je le lui ai demandé. Heureusement, il avait encore un ou deux exemplaires, j'en ai eu. Hein. Et cette lecture m'a été très profitable. Alors vous aviez aussi, je crois, rédigé le discours et prononcé le discours de réception de M. Bertrand Poirot-Delpech. C'était dans les mêmes conditions? C'est lui qui me l'avait demandé, de la même manière. Je le connaissais peu, d'ailleurs, à l'époque, et j'étais très heureux de le mieux connaître. C'était en 1987. Oui, je me souviens très bien. Et il passait ses vacances dans le midi de la France, et moi aussi.
ce qui fait qu'elle est venue passer une journée entière chez moi, à Valbonne, et que nous avons parlé de lui. Et en même temps, je lui ai posé 1000 questions insidieuses, etc. Et j'ai même un souvenir pour ce cher Bertrand Paulin-Spech, qui est devenu un ami, alors que je ne le connaissais pas à ce moment-là. Et c'est que, pour rentrer chez lui, nous n'étions pas dans le même endroit le midi, il avait à faire 50 km pour manger. Et a éclaté un incendie terrible, comme il y en a dans le midi, et il n'a pas plus retourné. Il a été pris dans l'incendie, on a fait se ranger toutes les voitures, et il a passé la nuit dans sa voiture. Le cher Bertrand n'est plus là, mais je suppose qu'il a dû se souvenir de la préparation du discours qui le concernait longtemps. Alors, vous avez commencé ce discours en rappelant que le fauteuil où siège désormais Max Gallo, qui est le fauteuil numéro 24, a été occupé par des prédécesseurs illustres, Colbert, La Fontaine, Marivaux, Sully Prudhomme, Henri Poincaré et bien sûr Jean-François Revel. Et vous-même, Alain Decaux, vous avez été élu, vous l'avez dit, il y a presque 30 ans, en 1979. Quel fauteuil occupez-vous et quels furent vos prédécesseurs ? Mon prédécesseur était Jean Guénaud, parce que j'ai travaillé beaucoup, naturellement. Et puis, avant, il y a eu, je suis sûr, de Victorien Sardou. Voilà. Parce que c'est quelqu'un que, sans l'avoir connu et sans même avoir connu d'avoir vu ou lu toutes ses œuvres, pour lequel me disait, son nom était très frappant pour moi. Et Jean Guénaud, un petit mot, c'est un écrivain qu'on a oublié un peu aujourd'hui, non ? Écoutez, Jean Guénaud était d'abord un homme de foi. Un homme de foi parce que Jean Guénaud croyait en un certain nombre de choses qui peuvent paraître simples et qui sont très belles, c'est-à-dire le droit, les droits de l'homme, surtout les droits de l'homme, les nécessités de trouver pour tout le monde un sort meilleur. Il a subi l'ire des pouvoirs pendant la guerre parce que précisément avant la guerre, il a agi à la tête des écrivains antifascistes. Alors, on ne l'a pas mis en prison, pas du tout, mais on l'a rétrogradé. Il était professeur de Cagnes, et on l'a mis, non pas en sixième, mais je crois en cinquième. Et il l'a pris, quand il me l'a dit, il riait, il disait, mais c'était très bien, ça m'a rajeuni. Voilà, donc c'était quand même subir, quand même un châtiment qu'il n'avait nullement mérité. Alors, vous dites aussi à Max Gallo, dans votre discours, qu'il a une place définitive dans la salle des séances, que cette place est immuable. Est-ce que véritablement on a une place avec un voisin de droite et un voisin de gauche ? Et quels sont les vôtres, je peux savoir, pour être un peu dans le secret ? On n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit d'y toucher. Ce que j'ai dit, je n'ai pas inventé, c'est la réalité. On vous désigne une place que j'occupe depuis 29 ans maintenant, et c'est la même. Alors plusieurs personnes se sont succédées, voilà, à droite et à ma gauche. Des voisins différents. Voilà. Je me souviens de Jean Delay, je me souviens d'Edgar Faure et d'autres. Et actuellement, à ma droite siège Michel Mort et à ma gauche, Gabriel De Breuil, qui est également, vous le savez, chancelier de l'Institut de France. Absolument. Revenons à votre discours pour la réception de Max Gallo. Vous lui vantez, dès le début, l'un des avantages de l'Académie, dont on parle trop peu, semble-t-il, c'est un lieu de rencontre, dites-vous. On sait que l'Académie, qui devrait comporter 40 membres, en ce moment on comporte un petit peu moins, et ce sont tous des personnalités très différentes. Et vous dites qu'on s'enrichit de cette différence. Ah, mais c'est vrai, vous savez. D'abord, ça ne joue pas dans nos séances du tout. Parlons de politique. Nous n'avons pas les mêmes idées. Voilà. Mais on n'en fait pas état, il n'y a jamais des discussions politiques, même en dehors. Mais disons, c'est notre formation, le métier que nous avons choisi, même dans l'écriture, ça peut être un romancier, un poète ou un historien. Mais puis, enfin, on est différent. Chacun est différent d'un autre par définition.
je n'ai jamais rencontré deux hommes absolument identiques, sauf mes deux frères, parce qu'ils étaient jumeaux. Bon. Mais vous dites que nous sommes ici une compagnie qui, se nourrissant de ces dissemblances, ne peut vivre qu'en liberté. Est-ce que vous pensez, Alain de Caux, que dans la vie, dans la société française, par exemple, nos dissemblances devraient nous rapprocher plutôt que nous écarter les uns des autres ? C'est-à-dire que la société est très vaste et qu'on ne peut pas appliquer à l'ensemble de la société d'un pays ce que j'indique pour l'académie, pour des académies qui sont limitées en nombre. Mais ça nous permet de nous connaître. D'année en année, on se connaît davantage. Moi, j'ai eu la chance de découvrir des amis dont je n'avais jamais vu le visage avant d'entrer à l'académie. Prenez par exemple Georges Dumézil. Georges Dumézil était un grand savant, vous le savez, le grand spécialiste, notamment des langues indo-européennes. Je crois qu'il savait quelque chose comme 30 langues. C'était tout à fait extraordinaire. De loin, je l'admirais. Mais je n'imaginais pas que je le rencontrerais de près, parce que vraiment, ça n'a rien à voir ce que je fais de l'histoire, bien sûr, mais de l'histoire adressée à un plus vaste public que ce que les historiens traditionnels ont fait. Alors tout ça nous éloignait, enfin, apparemment, et pas du tout. Il se trouve que si j'avais des voisins de part et d'autre, j'avais à côté un oncle qui se trouvait du Mézil. Bon, si vous voulez, c'est un angle de part et d'autre, et l'angle, je faisais que Dumézil était à 3 mètres de moi. Et nous avons commencé à bavarder, parce qu'on bavarde, c'est pas bien, mais on dit quelquefois à voix basse à ses voisins, c'est pas tout à fait ça, etc. Vous croyez que, bon, et on l'a fait. Et on s'est attendu Dumézil et moi au bout d'un certain temps, parce qu'on vient en général une demi-heure à l'avance, c'est la rencontre là, des académiciens. Voilà. Donc on s'approchait davantage parce qu'on avait envie de se parler. Et vraiment, il y a eu là une amitié qui est née et qui est très chère à ma mémoire et à mon cœur. Merci d'évoquer ce grand savant que fut Georges Dumézil. On a trop peu l'occasion d'en parler justement. Revenons à Max Gallo, vous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez connu bien avant son premier best-seller, La Baie des Anges, qui était un best-seller qui justement portait 3 volumes, c'est une suite romanesque d'une certaine façon. Et c'était dans les années 75, et vous-même à cette époque-là, vous étiez sûrement débordé de travail. On vous voyait donc beaucoup à la télévision, c'était l'époque où vous étiez dans le petit écran devant tous les Français. Oui, je faisais aussi une émission de radio toutes les semaines sur France Inter, La Tribune de l'Histoire, oui, qui a duré 45 ans, ce qui est une sorte de record. Ce qui ne vous empêchait pas de publier aussi l'Histoire des Françaises, beaucoup d'autres livres, enfin, c'était une grande période de travail. C'est-à-dire que je suis avant tout un écrivain qui s'est servi aussi de la télévision, de la radio, du cinéma, des films, du théâtre où aussi. J'ai en effet écrit un grand nombre de pièces, mais sur des thèmes historiques. Tout ça, je ne suis jamais sorti de l'histoire. Et il y a un style que vous aimez mieux, le théâtre, c'est différent du roman tout de même, Vous n'avez pas fait de roman, je serais incapable d'écrire un roman. Voilà, pas comme Max Gallo qui finalement a fait le roman. Voilà. Alors justement, vous dites que le roman historique, c'est un peu ambigu comme définition, et que vous avez beaucoup discuté avec Max Gallo de cette différence entre l'histoire romancée, que vous n'avez pas l'air d'apprécier beaucoup, et puis le roman historique. Alors, est-ce qu'on peut comprendre un peu cette différence ? Voilà, oui. Le roman historique, c'est un genre qui se présente le visage ouvert. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un descendant des romans, mais qui ont une base historique. Disons que le prince, c'est Alexandre Dumas, bien sûr. Et que l'histoire romancée, c'est une histoire masquée, parce qu'on ne dit rien. Quelqu'un qui achète un livre sur tel personnage peut croire que c'est de l'histoire, ça, parce que c'est raconté à la manière d'un historien. Mais c'est romancé. C'est un genre. Alors, c'est un genre que hybride et trompeur. Voilà. Et masqué. Et masqué. Tandis que Gallo, c'est vraiment le roman historique. Absolument. Ou le roman tout court. Mais
c'était pas du roman que j'ai parlé. Vous avez rappelé dans votre discours que le premier roman historique, enfin celui qu'on pourrait considérer comme tel, après l'Iliade peut-être, fut celui d'Alexandre le Grand, écrit au IIe siècle de notre ère. En grec. En grec. Et en Égypte. Et en Égypte, voilà. Parce qu'on parlait toujours le grec autour de la Méditerranée. Et qu'après, donc, il est revenu vers le XIIe et XIIIe siècle chez les poètes français qui l'ont mis en vers de 12 pieds, et ainsi sont nés les Alexandrins. Voilà. Je ne m'étais jamais interrogé, je dois le dire, sur l'origine du mot. Voilà. Et on l'a découvert grâce à vous. Vous aimez comme ça, vous penchez sur l'origine des mots? C'est ah un oui, exercice oui, oui, que oui, vous aimez. Oui, oui. J'aime bien savoir l'époque à laquelle un mot a fait son apparition dans la langue française. On peut, vous savez, vous avez le grand Robert sur l'origine des mots. On a l'histoire du mot. On se trompe quelquefois énormément. Par exemple, un bistrot. Moi, pendant des années, j'ai entendu dire que le mot revenait à les occupations russes en 1814 et 1815. Et ça, en russe, ça veut dire vite. Donc, le russe qui voulait boire, rentrer dans un bistrot, enfin, dans un café, et demander vite. Alors, et donc, le mot bistrot est entré dans la langue. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Il est rentré très tard, le mot bistrot, à la fin du 19e siècle. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, oui. En effet. Dans sa série romanesque, en forme de tableau généalogique, en quelque sorte, l'Abbé des Anges, justement, Max Gallo relate une histoire d'émigrés italiens, les Revelli, et qui est une famille originaire du Piémont, donc à la fin du 19e siècle. Ça aurait pu être, comme vous l'avez souligné dans votre discours, l'histoire de la famille Gallo. Et vous-même, Alain Decaux, alors, avez-vous été tenté de remonter votre généalogie et peut-être même de raconter l'histoire de votre famille? Non, je ne l'ai pas raconté, mais puisque vous me le demandez, c'est par hasard. J'ai connu mes quatre grands-parents qui eux-mêmes me parlaient de leurs parents, quelquefois de leurs grands-parents à eux, ça n'allait pas plus loin. Et puis un beau jour, j'ai reçu par la poste une généalogie écrite par un professionnel qui m'a dit « Monsieur, je vous suis de près, je passe les mots élogieux, si vous étiez une jolie femme, je vous aurais envoyé des fleurs, je ne puis que vous envoyer votre généalogie. » Et je me suis aperçu qu'en ligne directe, on remonte à un Nicolas Decaux, nous sommes du Nord et nous n'avons pas quitté le Nord, jusqu'à ma génération, celle de mes parents, près de Montaigne. Et dans ce village du Nord, qui est près du Cato, vous savez le fameux traité du Cato Cambrésis, dont on a parlé à l'école, et bien ce village, au temps d'Henri IV, Nicolas Decaux y était, c'était un tout petit paysan, voilà. Donc on remonte au XVIe siècle, à peu près, voilà. Et ça c'est parce que les curés, les prêtres des paroisses tenaient les registres. Mais oui, naturellement. Dans ce discours à Max Gallo, vous avez dévoilé les relations presque intimes entre Max Gallo et son père, et Max Gallo et ses enfants. Il a d'ailleurs été affecté dans sa famille. Et vous-même, est-ce que vous confiez volontiers dans des entretiens publics les relations avec votre père et votre mère? Oui, d'autant plus que souvent, quand je faisais des conférences, malheureusement, je les refuse maintenant parce que, après un certain moment de la vie, on n'a plus envie de prendre le train, pour le coucher dehors, etc. Alors, mais j'en ai fait beaucoup dans ma vie, et quand c'est dans la région du Nord, les gens s'approchaient et demandaient si j'étais le fils de Francis Decaux. Parce que mon père était relativement connu dans sa ville natale de Lille, parce qu'il était avocat, et donc il a plaidé dans de grands procès, et il est devenu bâtonnier. Alors on m'a dit, est-ce que vous avez une parenté avec le bâtonnier Decaux? Et je disais, oui, c'est mon père. Donc, et votre mère? Ma mère, non, on ne me demandait rien de pareil. Mais on me disait, votre père était avocat, c'est à lui que vous devez ce don de raconter. Et je ne répondais pas, c'est pas la peine d'entrer dans les détails,
mais je crois que c'est à ma mère. Parce qu'elle vous racontait. Elle avait un don de récit prodigieux. Et j'ai vu, non pas ma génération, parce que c'était, mais j'ai vu des enfants, ses petits-enfants, même ses arrière-petits-enfants, s'asseoir à ses pieds et l'écouter. Elle ne s'arrêtait pas dans ses récits. Elle racontait longuement avec les détails, comme j'ai fait ensuite à la télévision. Donc, dans ce discours, vous dites, Monsieur Gallo, Max Gallo, vous ne dissimulez nullement que vous chérissez les grands hommes. Mais on pourrait en dire autant de vous, Alain de Gaulle, parce que vous avez au moins des grands hommes en commun avec Max Gallo, De Gaulle, Napoléon, Victor Hugo. Vous aimez les grands hommes. Oui, mais j'ai également consacré des récits à des gens qui n'étaient pas du tout connus, et même des livres, un livre en tout cas, ou deux, par exemple le général Mallet, par sa conspiration, d'ailleurs, le connaissent peu. Et puis j'ai écrit un livre qui m'a pris beaucoup de temps sur Blanqui, qui est beau, qui a eu son boulevard à Paris, mais à part ça, les gens sont très peu capables de savoir ce qu'il a fait. Heureusement qu'il y a les noms de rue d'ailleurs pour se souvenir et au moins s'interroger. Est-ce que vous aimez justement parler, parce que les grands hommes permettent de parler de la nation au fond du pays, et les grands hommes font un moment de l'histoire, c'est sûrement pour ça que vous aimez en parler. Oui, mais aussi de leur originalité par rapport justement à ce moment de l'histoire, de la rencontre qui peut être positive ou négative. Mais c'est vrai qu'un homme, bon, prenez Victor Hugo, c'est un livre qui m'a occupé 4 ans. Mais je dis 4 ans tout en faisant de la radio et de la télévision. Donc, mais enfin 4 ans, c'est beaucoup. Et j'en ai déduit qu'il fallait absolument, quand j'écrivais une biographie, prendre mieux, plutôt quelqu'un que j'admirais, plutôt quelqu'un que je savais. Oui, parce qu'il faut le fréquenter pendant 4 ans. Parce que j'ai envie avec lui. Et moi, ces 4 ans, j'étais dans le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez, je relisais sans cesse, je prenais des notes. Mon appartement était rempli de lithographies. Il y en avait ce qui fait, pardon, alors je vais parler de mon fils, qui était encore petit à ce moment-là, qui voyait tout ça. Et au moment l'anniversaire est-ce que c'était la mort? Oui, c'était en 89, oui, de la mort de Victor Hugo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la station de métro Victor Hugo, sur la ligne 2, était consacrée à Victor Hugo. On y avait fait un musée, il n'y avait plus de publicité, mais toute chose de Victor Hugo. Ben, mon fils devait avoir 3 ans à ce moment-là, et là-dessus, la personne qui s'occupait des enfants, ma femme étant journaliste, photographe et souvent reporter, et bien emmené, je crois que c'était chez sa marraine, déjeuner. On entre dans cette station, et ce petit bonhomme dit d'un air absolument naturel, « Tiens, Victor Hugo, un wagon entier !» C'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. Parlons un instant de la politique, si vous voulez bien. Oui. Max Gallo, vous l'avez rappelé dans votre discours, a évidemment eu une grande carrière politique. Bon, il a d'abord été séduit par François Mitterrand. Je pense que la personne de Mitterrand l'a séduit. Puis il a été candidat à Nice, député des Alpes-Maritimes. Il a fait partie du gouvernement Mauroy, secrétaire d'État, porte-parole, député européen. C'est une carrière qui a duré, disons, plusieurs années, qui a été longue. Pour vous, à l'inverse, Alain de Gaulle, la politique ne semble pas vous avoir attaché, en tout cas. Vous avez séduit. Elle m'a toujours intéressé parce que mon pays m'intéresse et les gens qui sont à la tête de mon pays aussi. Et cela dit, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Mais vous allez me dire, oui, vous avez quand même été ministre. Oui, vous avez été ministre. Mais c'était l'époque où le Parti Socialiste n'avait pas obtenu la majorité totale aux élections. Et Michel Rocard, qui était Premier ministre de Mitterrand, avait dit, il n'est pas question que le gouvernement soit uniquement rempli de socialistes. Alors il fallait prendre ailleurs. Alors, on est allé chercher chez des gens de droite, notamment qui avaient siégé dans le gouvernement de Barre, et puis aussi du centre, et on a aussi inventé la société civile,
et on a recruté des gens qui avaient acquis la notoriété dans leur métier et qu'on avait envie d'utiliser. Alors moi, quand Rochka m'a téléphoné en me disant « Voulez-vous ?» Je ne le connaissais pas en plus. « Voulez-vous être ministre ?» J'étais absolument ahuri. Et puis, je lui ai demandé de quoi. Quoi, oui. Et il m'a dit de la francophonie. La francophonie, vous vous êtes senti concerné. L'Académie française, j'y étais déjà. L'Académie française défend la langue française. Richelieu lui a donné l'ordre de défendre la langue française. Alors, je n'ai pas pu dire une oui. Et je ne le regrette pas du tout. Parce que j'ai passé 3 années fort intéressantes. Donc de juin 88 à mai 91, en effet, 3 années. Ça vous a amené à faire beaucoup de voyages ? Mais naturellement, parce que la francophonie, dans cet objectif, n'est pas seulement la langue française, c'est aussi la langue française, mais ce sont tous les pays qui se réclament de la francophonie. Et la règle, ces pays ont demandé longtemps, à ce qu'ils se réunissent dans le cadre de la langue française. C'est Senghor qui, avant même l'indépendance, a demandé ça à De Gaulle. Et puis ça a mis des années, et puis finalement, on a demandé à tous ces pays, c'est Mitterrand qui l'a demandé, de se réunir à Paris, par francophone, on entend un pays où même il y a une faible partie de francophones, mais il y en a une partie. Et donc, tous les pays que l'on a conviés sont venus. Il y avait un doute, on se dit, est-ce qu'ils vont venir ? Ils sont venus, à part l'Algérie. J'en ai été attristé, j'ai même dit aux Algériens, je comprends, une guerre cruelle nous a opposés, mais le Vietnam, où aussi nous avons eu une guerre cruelle, est venu. Alors les Algériens lever les bras au ciel, etc. Mais enfin, c'est vous dire que ça a été très intéressant. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé de créer un espace francophone, justement, où on se réunirait une fois par an ou une fois tous les 2 ans dans des sommets. Alain Decaux, c'était donc une expérience où vous gardez un très bon souvenir. Oui, mais j'en avais assez au bout d'un moment. Parce que j'avais fait beaucoup de choses en l'espace de 2 ans. Je m'enorgueillis d'avoir donné une existence réelle à TV5. Quand je suis arrivé, TV5 existait, mais c'était à ne pas croire. Je n'irai pas jusqu'à dénoncer ce qui s'était fait à l'époque, mais c'était insupportable. Alors j'ai pris les mesures, j'ai convaincu nos associés, c'est-à-dire TV5, c'est la France, c'est la Belgique, c'est la Suisse, le Canada et le Québec. Et ils étaient très fâchés que j'ai envoyé balader ce qui existait. Mais quand ils ont vu ce que je voulais faire et ce que j'ai fait, ils se sont parfaitement ralliés à moi et se sont félicités. Alors, ça a été une entreprise importante. J'avais vu presque tous les francophones. Et je me disais, au bout de 2 ans, maintenant je vais me répéter. Et moi, je souffrais pour tout vous dire. Je souffrais et je suis allé le dire au président de la République, François Mitterrand. Il m'a reçu. Il est à son bureau, et je suis en train de signer les courriers. On signe beaucoup de courriers, vous savez, dans ce métier-là. Et puis il a levé les yeux vers moi. Mais alors, qu'est-ce qui vous amène ? Je lui ai dit, monsieur le président de la République, je vais tout vous dire, je souffre. Alors là-dessus, comme il savait qu'un an avant d'être recruté, j'avais eu un double pontage cardiaque, il le savait, il a pris peur. J'ai vu son visage se fermer. Il dit, mais vous souffrez de quoi ? Alors j'ai dit, de ne plus écrire. Et oui, impossible d'écrire. Alors il m'a dit cette chose curieuse, il m'a dit, n'avez qu'à vous lever plus tôt. Oui, mais je me levais déjà assez tôt, et puis j'étais toujours en avion, etc. Et donc, mais il m'a dit, écoutez, il n'y a pas d'exemple qu'un gouvernement dure éternellement. Prenez patience. Et j'ai supporté 1 an de plus. À mon avis, Mitterrand avait déjà en perspective le renvoi de Rocca. Et voilà, la politique vue par d'autres côtés que l'histoire officielle. Lorsque vous retracez, Alain Decaux, le parcours intellectuel de Max Gallo, sa formation, ses études, ses écrits, il me semble que ce qui vous passionne, en tout cas ce que vous avez voulu faire comprendre à vos auditeurs dans ce discours, c'est la manière dont un homme peut évoluer et la manière dont il a le droit d'évoluer. Max Gallo, évidemment, était
communiste de par sa famille, son père. Il est resté un homme de gauche, mais il a quitté le Parti communiste. Et après, il évolue encore. Chacun, pour vous, a le droit de changer, d'évoluer. Je crois. On n'a pas le droit d'obliger quelqu'un de rester absolument fidèle. C'est un peu... Ça peut déplaire à certains, ce que je dis. Les gens se disent, mais il doit être fidèle. Mais s'il s'aperçoit que ça ne correspond pas à ce qu'il pense lui-même. Au contraire, c'est un devoir d'aller vers ce à quoi il pense. Je pense que Gallo a fait son devoir à chaque fois. Il n'a trahi personne. Voilà. En plus, est-ce que vous aimez cette manière de mettre des étiquettes sur les gens? Ça les fige dans un statut et ça les empêche d'être libres. Mais les gens qui ont fait de leur vie vraiment une vie politique, ça peut se comprendre. On voit mal M. Hollande, par exemple, pour ne pas le nommer, tout à coup devenir Premier ministre de M. Sarkozy. On voit pourtant beaucoup de choses que... On voit beaucoup de ministres de gauche devenus, mais parce que je crois que ils ont senti que c'était plus tout à fait la même chose, que le monde évoluait beaucoup et que, mon Dieu, c'était comme ça. Mais il y a eu des précédents historiques parce que Clémenceau, vous l'avez rappelé, a changé de côté politique. Ah, oui. Victor Hugo, il était blanquiste au début. Ben voilà. Voilà. Et puis, c'est vrai que... Mais M. de Talleyrand, qui est un homme admirable, parce que c'est vrai qu'il a une intelligence extraordinaire. Mais savez-vous qu'il a prêté 13 serments à 13 régimes différents? Est-ce que c'est mieux? Personne apparemment lui en voulait, en disant il est formidable. Ça a fait du bien à la France par certains côtés aussi. Et tort aussi par d'autres. Et tort par d'autres. Il a rendu à Napoléon un très mauvais, le contraire d'un service, en disant tout bas au tsar qu'il fallait s'élever contre le régime de Napoléon. Ça, c'est pratiquement la trahison. Presque, oui, en effet. Il était ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Donc l'évolution des idées politiques, c'est avant tout un signe de la liberté de l'esprit, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il en va de même pour vous, pour l'évolution spirituelle? Est-ce qu'on peut faire un grand chemin? Est-ce que vous voyez cela dans l'histoire ou dans vos propres expériences? Naturellement, dans l'histoire, on le voit. Les gens, la plupart des gens sont l'héritier d'une religion, bien sûr. Là, c'est plus simple. Mais il y a des gens qui changent de religion. Des gens qui abandonnent la religion dans laquelle ils ont été élevés parce qu'ils n'y croient plus, etc., etc. Mais moi, personnellement, je suis né dans la religion catholique. Et vous êtes resté? J'y suis resté. Mon Dieu, je n'ai pas envie d'en sortir. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages. Alors, j'ai surtout remarqué que vous écriviez des ouvrages pour les enfants, pour les jeunes, j'allais dire, mais pour les enfants. Alain Decaux raconte la Bible aux enfants. Alain Decaux raconte Jésus aux enfants, et aussi un homme nommé Jésus, qui a été aussi une grande pièce de théâtre. Et puis le dernier ouvrage que vous avez publié, enfin qui n'est peut-être pas tout à fait le dernier, mais enfin qui a fait beaucoup de bruit, L'avorton de Dieu et une vie de saint Paul. Donc les sujets religieux, vous aimez les aborder? Mais oui, parce que c'est l'histoire. Voyez-vous, saint Paul est le seul des apôtres sur qui on peut écrire un livre. Parce que c'est le seul qui écrivait des lettres, ses épîtres, pour démontrer au pays ou aux villes qu'il avait converti ce qu'il fallait faire. Mais lui prend référence sa vie à lui. Et on trouve des moments, quant à moi, et on dit, à telle époque j'étais à tel endroit, et j'ai dit ça, j'ai fait ça. Alors ça c'est formidable pour le biographe. Mais en plus, il a eu la chance d'avoir Luc, l'évangéliste, qui a écrit les Actes des Apôtres, en plus de son évangile, où les trois quarts sont consacrés à Paul, qui est devenu son ami et qui l'a même suivi. Alors là, on a des sources. On a des sources historiques, évidemment, plus fiables. Et puis alors, on peut, ce que j'ai fait aussi pour saint Paul, aller voir sur place. J'adore ça. Ça, vous avez aimé. Pour tous les sujets que je traite, je vais voir. Pour Victor Hugo, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il se baladait beaucoup. Parce que les lieux, pour vous, ont une sensibilité, une mémoire, une sorte de mémoire. Ah oui,
de voir ce qu'a vu mon personnage à tel moment. Vous me direz, pour Saint-Paul, évidemment, les villes actuelles de la Turquie n'ont rien de pareil. Mais il reste la campagne, il reste les bois, il reste les montagnes, il reste l'air qu'on respire. Et ben voilà, j'ai eu besoin de voir ça. Et de... Moi, je roulais dans ma voiture sur des routes qui longeaient des chemins qu'il parcourait à pied. Et je me disais, mon Dieu, et il faisait tout ça à pied. Rien que ça, ça donne à l'écrivain une motivation supplémentaire. Certainement. Alain Decaux, il ne me reste qu'à vous adresser un grand merci d'avoir passé ce temps avec nous. Donc je précise que le texte de votre discours de réponse à Max Gallo peut être lu sur le site de l'Académie française, académie-française.fr, et que la séance entière de cette réception a été enregistrée par Canal Académie en direct, qu'elle est disponible à l'écoute et au téléchargement dans notre médiathèque. Canal Académie propose aussi une autre émission avec Alain Decaux, particulièrement centrée sur son œuvre d'historien, puisqu'il nous a fait le plaisir de venir plusieurs fois. Et enfin, que son dernier ouvrage paru en 2007 aux éditions Perrin s'intitule « La révolution de la croix, Néron et les chrétiens ». Donc on revient au chrétien. Voilà. Merci à la... Ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont eu beaucoup de mal. Et ça continue. Merci à la Decaux.